Bon, des fois, là, OK, il arrive parfois, genre, que quand que, genre, t'es en pente descendante, lorsque tu joues en mode Smash, ben, parfois, genre, il arrive que, genre, que tu croises des joueurs, ben, qui sont facilement jouables. Dans le sens où, que, genre, tout ce qu'il fait, c'est la même chose. C'est juste ça qu'il fait. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est être patient. Comme que vous voyez, il essaie juste de me gommer dans le centre, faire des attaques spéciales, c'est tout, avec Wadadidou. Sais, moi je l'ai vu dès en partant là. Oui, ok, c'est pas évident. Oh, ok, on se protège. Bon, mais juste pour aller exécuter mon coup. Voilà. Regardez, c'est pas compliqué. C'est ça qui est fait dans ça là, c'est jouer avec des joueurs de même là. Écoute là. C'est juste ces fêtes de ta vie, là, crime. Change de jeu. C'est vrai, changer de jeu, crime. Moi, je suis tanné, moi. De jouer avec des joueurs de même, là. Tu n'es pas capable de jouer, crime. Jouer à un autre jeu, là. J'ai pas envie de perdre mon temps à vous montrer ça. Comment que ça fait pitié, votre jeu. Je fais ça en attendant. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de faire le gars là, mais des fois genre. Oui, il a fait un dash attack pour essayer de me surprendre, mais crime, mais il faut plus que ça là. Pour me battre là, là. C'est pas en faisant juste du pitchage de même là, s'il vous plaît, là, le monde là. La seule raison pourquoi qu'à un moment donné, ben, je me suis retrouvé face à ce joueur-là, c'est tout simplement parce que j'étais. Je jouais très mal. Je forçais souvent le jeu, puis je m'auto-détruisais ou je me faisais des chutes. Genre, ben, vraiment des mauvaises chutes. Ben, en fait, des fois, je voulais trop en faire. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ben, je me suis retrouvé à jouer à un jeu facile comme ça. Je trouve ça réellement plate. C'est censé être une partie facile à gagner, ça. Ben, c'est censé, là. Je remporte pas ça, c'est que je fais dur. Avec Simon. Je suis capable de stopper ça d'habitude, mais là j'ai pas réussi. Comme vous voyez, moi je lance pas plus que 3 ou 4 tâches d'affilée. Après ça, je change d'attaque. Moi j'essaie pas d'abuser, moi là. Comme que le joueur fait. Tout ce qu'il fait, c'est faire attaque spéciale tout le temps. Tout ça qu'il sait faire. Le pire, c'est qu'il sait même pas. Il sait même pas une attaque aérienne, c'est ça le pire. La seule chose que j'ai vu faire, c'était un dash attack. Mais c'est pas suffisant là, pour battre un joueur comme moi là. Surtout une marche, le Seigneur, c'était vraiment. J'étais juste con là. Oh non, j'étais trop loin là. Thank you.
parfois il y avait des joueurs ben qui jouaient vraiment ultra défensif, fait que, ou ben très stratégique, puis c'était pas le fun à jouer, c'était vraiment pas agréable pour moi. C'était sûr et certain que la victoire était quasi impossible. Bon, voyons voir un autre genre de match, lequel qu'on va prendre. Bon, ici là, bon, on peut dire que ça cette arena n'est pas à mon avantage parce que moi j'ai besoin d'avoir une large jambe qui pour avoir les performances d'un an pour pouvoir pour pouvoir me promener librement et attaquer à ma guise dans ce genre d'arène là. Mais tout ce qu'il faisait, le joueur de Samus, c'était juste me spammer dessus. Après ça, tout d'un coup, il décide de skiller avec le joueur de l'entraîneur du film. Mais pourquoi vous faites ça juste à moi? C'est parce qu'en cause, je joue Simon. J'aimerais juste ça que ce soit encore entre nous autres, ok? Peu importe le personnage que vous allez me voir jouer en ligne, je ne spammerai pas avec. Pouvez-vous comprendre ça dans votre tête? Même si Simon, même si je jouerais Lutai, même si je jouerais Lucario, même si je jouerais... personnage à trois étés, que ce soit Pit, que ce soit Pit Magnifique, que ce soit Palutena. Je vous le dis, je ne spammerai pas de mes attaques spéciales. Moi, mes forces, c'est faire des enchaînements combos avec des attaques aériennes combinées avec des smashs. Parfois avec une projection. En partant d'une projection. Ça se peut aussi que je réussisse avec un enchaînement d'attaque spéciale, mais c'est assez rare que je réussisse ça. Justement, c'est un enchaînement de smash attaque aérienne. Je suis bon pour faire ça. Dans les cas, s'il y a des joueurs comme ça qui font juste charger avec Samus comme que le joueur fait, c'est que... S'ils jouent contre un joueur de Joker ou de Fox, par exemple, ils vont se faire mettre KO assez rapidement, c'est sûr. Quasiment sûr, là. Surtout si c'est des excellents joueurs de Fox ou de Joker, parce que là, avec leur compte, ils peuvent Ils peuvent renvoyer des projectiles. Joker avec Arsène. Et le bouclier de Fox. Son B est plus bas. Lui, il peut renvoyer des projectiles. Fait que avantage lui contre Samus. Vous voyez, j'ai fait un back-eye, mais ça l'a pas mis KO. 152, je suis chanceux. Contre le grand étirement. Ouf. C'est pour ça que je vais pas en bas, parce que... C'est juste charger tout le temps. Pour moi, c'est pas gaming. Là, c'était bon, là, qu'est-ce qu'il vient de faire là, sur le Samus. Mais c'est ça que j'aimerais voir durant tout le long de la game. Pourquoi le voir à la fin seulement? Pas tout le temps. T'as obligé de l'abuser de tout ça, là. C'est vrai, crème. Moi, j'ai dû assez souvent, moi, mes attaques spéciales, non? Crème, mais ça me un peu de respect, s'il vous plaît. Tu sais, il est du gosse, là, au lieu de temps d'utiliser tout le temps les données spéciales pour m'atteindre. C'est tout le temps comme ça, vous dites ça gagne contre moi. Mais jamais avec autre chose que ça. Jamais autre chose avec que ça. C'est bien rare. C'est rarissime. Je trouve ça vraiment dommage. Je peux utiliser que des projectiles pour me vaincre. M'excuse, là. C'est pas fort.
Je suis d'accord que c'est les meilleures armes de Samus, c'est les meilleures armes de l'entraîneuse Wii Fit, mais vous êtes tout obligé d'en abuser. Moi, je veux voir du vrai gaming, pas du gaming de merde, là. Et là, tout d'un coup, vous voyez que qu'est-ce qu'il fait le joueur de Samus. Là, c'est rendu du skill, comme par magie, wow. Pourquoi il faut que ça se prenne sur moi, mais pas pour aussi sur les autres. Mais je pense que, genre, je pense que le match que vous jouez avec votre personnage ne devrait pas dépendre que de se mettre de 1, de 2 ou de 3 attaques, incluant la saisie. Ça ne devrait pas dépendre que de ça. Ça devrait dépendre de votre skill de jeu, pas juste de juste une coupe d'attaque. Il a réussi à l'enterrer, bravo. Moi, avec Simon, ben, moi, je suis un peu pogné. Je suis un peu pogné, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je sois un peu patient? T'sais, c'est ma patience qui va permettre de pouvoir me. C'est avec ma patience que je pourrais m'en aller avec n'importe quel personnage. Sauf que ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup de. Ça me demande beaucoup d'efforts. Tandis que les autres veulent essayer de gagner sans effort. Puis pour moi, gagner sans effort, c'est justement seulement utiliser que des projectiles avec des personnages qui utilisent des projectiles. Ou des personnages genre que vous utilisez en général, c'est juste des attaques spéciales. Les attaques spéciales, ça peut tout ça, vous finissez tout le temps avec ça, avec moi, tout le temps. Majoritairement, 99% du temps, ok, la manière dont ça finit contre moi, c'est souvent par une attaque spéciale. Tout le temps. Non-stop. Non-stop. Peu importe que je suis tout près de l'estimage au-dessus de 7 millions de points versus 3,7 millions. C'est toujours comme ça. Sauf que le skill est différent d'une place à l'autre, mais quand tu es à ton plus bas, ben c'est dur d'être à ton meilleur parce que tu rencontres des gens qui jouent trop agressifs ou d'autres qui font juste faire du bourrage de coups ou du spamage. Fait que lui, c'est souvent genre le triple de le up B. Fait que genre. Bon, je vais vous montrer un autre exemple ici dans un 1 contre 1 que j'ai gagné ici. Mais voyez de la façon dont le joueur joue. Comment je le savais? Ben, tout le temps comme ça, que vous jouez avec Samus. Vous voulez être saisi facile, ça, de faire ça. C'est juste ça que vous faites. Oh, dash attack, ok. C'est d'esquiver, non, mais oui. Ok, j'attends. Oh, tiens, j'essaie ça. Ok, non, ça marche pas. Ok, ça marche pas, c'est pas grave. Ok. Vous avez vu? Oui, vous le savez prévoir parce qu'en cours, j'ai fait plein de vidéos, vous le savez. Par contre, je permets quand même à gagner, mais pourquoi? Parce que j'essaie tout, je sais pas ce que tout prédire les coups. Sauf peut-être les roulades, là. Ça, les roulades, je suis pas bien chanceux. Là, j'étais entre les deux bombes, fait que j'étais correct. C'est bien joué de ma part là-dessus. Oh non! J'ai voulu le surprendre comme ça en faisant deux smash de suite, puis j'ai réussi. Ouais, mais quand tu essaies un smash, vous le faites toujours dans le vide. Vous demandez pas pourquoi je suis capable d'anticiper les smash parce que j'y prévois. Et j'y prévois tout le temps, fait que vous autres, la seule manière que vous trouvez pour me battre, c'est avec des attaques spéciales. C'est pas là vous battez un très bon joueur, mais c'est pas bon. Juste pas bon, juste pas un bon skill, que ce soit que je vous dise. Hey, regarde ça, il y a carrément de la misère avec de m'attaquer dans les ailes. C'est ça le pire. Tout ce qu'il est capable de me faire, c'est ici me faire des crabes. Ou après ça, projectif si ça marche pas. Ou hop B. Oui, ça a une grande puissance de destruction, mais quand même, là. Je veux pas vous faire deux, là. Bon, là, c'est moi qui ai fait la roulade, j'aurais dû me protéger. Il faut la roulade. Oh! Donc, vous voyez, il fait des roulades différentes pour éviter que j'ai.
que je prédis tout. Ses mouvements quand il est fait. Bon, j'ai juste patienté. Ici. Mais vous voyez, si vous faites rien et que moi je fais rien, ben crime, bougez, m'emmener là. C'est juste de la peur. Oh! Ketching! Attention, ketching! Oh non, m'a manqué ça. Oh! Non, non, il aurait pas dû faire ça. Il est peut-être allé du trap, mais oui. J'ai réussi la deuxième fois aussi. Oh! Le saut, vous voyez, facile de sauter, mais avancer tranquillement vers la salle, ça c'est encore plus compliqué. Imaginez un personnage qui fait des petits sauts comme Little Man, ça c'est un peu compliqué ça quand même. Ouf, j'ai fait de la roulette justement pour essayer de se prendre avec ma chance. Oh, là, j'ai bien réussi là. Vous voyez comment moi j'attaque, puis il fait rien, il fait juste faire du bénin pour m'éviter. Et là, ça marche pas pantoute. Ça marche pas du tout, je l'ai surpris avec un smash à la fin. Un smash côté. C'est mes forces, mes smash, mes crèmes, mais. Le monde là, pourquoi vous faites pas d'attaque aérienne? De quoi avez-vous peur si pas? J'en viens pas. J'en viens pas le monde, genre, qui joue de même, crime. On juste fait des attaques spéciales tout le long. Roulade saisie, roulade saisie. Ça revient fou, à un moment donné. Avouez, là. Crime, mais juste moi qui fait des attaques aériennes, il n'en fait pas pantoute. Quand quelqu'un qui était au-dessus des airs, il veut juste se protéger, protéger, protéger. Oublie ça, là. Avec un professionnel, oublie ça, là. Il n'infusera pas grandement les dégâts avec ça, là. Ça va pas lui faire peur, s'il va le battre d'une shot. Moi, c'est ma patience qui va faire en sorte que je vais peut-être l'emporter. Là, ici, là, c'est carrément du bourrage de coups, là, ok, vous le savez, c'est spamage, spamage, spamage. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais quand même, j'ai pu lui enlever deux vies à ce joueur-là. Joueur de Samus-là. En tout cas, il choisit bien son nom, hein, c'est cheap, 16. Ben oui. Il joue de manière cheap. Voici sa manière de jouer. Ouh. C'est juste comme ça qu'il est capable de battre le monde. Avec moi, ça dure un peu plus de temps. Oups. Désolé, mauvais chute. Comme je vous disais, je passais trop le jeu. Ben, c'en est un exemple. Ça c'était bon. Ah, je me suis pas bien protégé ici. Puis ça fait dur du monde qui font juste faire ça avec Chrome, s'il vous plaît. C'est pareil qu'on peut jouer avec Kite. Puis il a fait carrément esprit de se chuter. C'est juste que ce qui est embêtant ici, c'est parce que genre, je peux pas. Il faut que je fasse attention parce que c'est facile de chuter avec. Avec Simon là-dedans, là. Ça permet à des campeurs comme ce joueur-là de pouvoir. Pouvoir se protéger facilement contre ses adversaires, fuir, puis. Il y a beaucoup de liberté avec ses projectiles, il peut être facilement intouchable, Samus, dans ce genre d'arène-là. Et un joueur comme Simon, même s'il est capable de voir les projectiles, ben... Et comme vous voyez, c'est juste comme ça qu'il joue. Il fait même pas d'attaque aérienne contre moi, rien. Tout ce qu'il fait, c'est juste jouer le Vayner tout le temps. Puis jouer ça. C'était pour me protéger ça. Encore. Protéger. Ok. Pas grave. Sinon, c'est dash attaque. Puis saisie. Comme un chi. D'où son nom. Ben oui. Eh, mec, coudon.
Ben pourquoi que je vous montre ça? Ben, ce sont des exemples de cas dont des fois, ben, je ne réussis pas à gagner pareil parce que la personne fait juste faire les mêmes attaques. Qui marche toujours bien, mais qui se fout carrément jouer comme faire un bon skill. Il faut juste se contenter de faire ça. Avec ça veut tout le temps utiliser les meilleures attaques. Ça veut dire dasher, saisie, ça veut dire projection, charger le B-Nerd, envoyer missile, B-Nerd, missile, B-Nerd, missile, B-Nerd, missile, 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 B-Nerd, missile, 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 B-Nerd. Regarde-moi ça. Tu es capable de mettre KO avec un beau dash attaque. C'est pas beau ça. En plus, bien exécuté. Je suis fort là-dessus, moi. Quand je suis capable de faire preuve de précision, Seigneur, moi, je peux faire des trucs écœurants avec ça. Oups, non. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Tu sais, tout ce qu'ils font, ces joueurs-là, c'est juste se protéger en faisant ça. Parce que c'est facile pour eux de gagner contre les joueurs, mais c'est pas du skill. Vous voyez, pas d'attaque aérienne. Juste dasher. Faire ça, là. J'ai juste pas rien fait là. Je pouvais pas courir puis me protéger en même temps, surtout quand que ça arrive. C'est juste que j'attendais le bon moment, mais j'ai pas attendu le bon moment. Il m'a juste surpris avec ça. Mais écoutez, pourquoi jouer comme ça avec le monde en ligne? C'est quoi cette affaire-là? Moi je trouve que c'est pas du sérieux. Moi j'aimerais ça que les gens me prennent un peu au sérieux, s'il vous plaît. Voulez-vous en avoir un qui m'a pas pris au sérieux, qui me prenait pour un pourri? Bonjour, monsieur. Bonjour, Aaron. Comment vas-tu? Ça fait combien de fois qu'on se rencontre, vous autres, puis que je te bats tout le temps comme ça, à chaque fois que tu me laisses une chance comme ça, en jouant vraiment en fer avec Ness? Oui, ok, il y a peut-être davantage, mais crime, ça donne pas le droit, genre, de te moquer de l'autre. Puis après ça, venir dire que c'était de la chance. Hey, d'où? Je suis pas un piètre joueur. Réveillez-vous le monde. Peut-être que certaines personnes n'aiment pas mes commentaires, mais écoutez, c'est vrai. Regardez juste là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Combien de matchs que j'ai gagné de cette façon-là? Des gens qui m'ont lancé des chances soient évidentes de même, ben, je les gagne à 80%. C'est rarissime que quelqu'un réussisse à me faire un combat par la suite. Souvenez-vous du joueur de Top Mario, genre, chassé, mais là, depuis ce temps-là, il ne fait plus ça, là. J'ai pas rejoué de 1 contre 1 contre lui encore à date. On joue souvent en contre en équipe, ou on joue ensemble. Écoute, je suis un joueur de 30 ans, là, ok? J'ai plus 15 ans comme vous autres, là. Ok? Qu'on me respecte un peu, là, ok? Je suis un net jeune quand même, là, aussi. Je suis pas un niaiseux, là, comme vous pouvez le penser. C'est facile de comboter avec Ness, là, quand t'as un genre un Simon contre toi, mais qui spam pas comme moi. Puis faire la saisie, faire full simple. Pour bien bravo. Regarde, il essaie ici de me saisir, là. Il va réussir à me saisir, à un moment donné. Bon, ça, c'était bien joué de sa part, là. Au moins, je me suis avantagé avec le bataille. Comme, ça surpris bien des fois mon adversaire, c'est vraiment efficace. Quand que, je vois, il essaie d'enchaîner avec un forward high, là, Seigneur, c'est efficace. Avec Simon, Seigneur, tu peux luncher un peu. Oh! Yeah.
qui était pas prévu à la base. Moi, 61, je suis toujours là. Ah, là, non. Bon, alors, on voit la fin maintenant de ce combat-là. J'ai commencé bien trop facilement, Seigneur. Merci pour le 0 à mort en plus. Oh, le beau smasho par surprise. Yeah, j'ai réussi. Attention. Oh, c'est le but. Voyez-vous comment je prends des risques? Ils sont payants. Et ça rapporte. Mais c'est l'exécution des fois qui laisse à désirer. Des fois. Parce que, genre, le personnage. L'adversaire était pas bien passé avec son personnage pour que je puisse le faire. Après, ça a bien réussi là. Je suis quand même bon moi aussi, là, faut l'avouer, mais crime, des fois je rencontre des gens comme ça. J'ignore pourquoi qu'ils me font ça. Moi je trouve qu'ils me manquent de respect envers un adulte de 30 ans. Ça fait 15 ans qu'il joue à Super Smash Bros. C'est juste un petit peu plate qu'il y a des gens. Il n'y a pas plus de gens qui m'écoutent pour Super Smash Bros, c'est dommage. C'est très dommage. Parce que eux autres, ils focusent juste sur les montages vidéo. Écoutez, là, j'ai pas la tête à ça en ce moment, moi, là. J'ai vraiment pas la tête à ça. Moi, j'aime ça, montrer mes exploits pour les jeux vidéo. Je veux que le monde sache que quelqu'un de bon, qui est une bonne personne aussi. Peut-être que certains de mes commentaires peuvent vous froisser, mais c'est de la manière dont vous agitez lorsqu'on joue contre ensemble dans un contre un qui me déçoit beaucoup. Et parfois c'est en multijoueur ou à trois joueurs surtout. Il y a quand même eu des très bons matchs, mais genre ces genres de matchs-là, pourquoi que je vous les montre? Ben c'est juste à titre d'exemple. Pour vous montrer à quel point que il y a moins fort que moi. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? Je suis pas un piètre joueur. Puis il y a des gens qui mettent des chances de main parce qu'ils sont quasiment assurés de gagner. Mais c'est eux autres qui sont ramassés au bout de la ligne. C'est ça qui est le plus drôle là-dedans. T'sais, l'autre qui dit aucun doute, je vais gagner. Le joueur genre que joue en équipe avec moi, genre à un moment donné, ben on a perdu. Ben voilà, dans les dents. Ça portait bien au début, mais après ça, ça l'a. Ah oui, tu sais, Ganada puis Bailette, aïe aïe, si ça va saigner, ça va se mâcher contre moi, c'est sûr. Aïe. Voilà, c'était ça ce que je voulais vous montrer. Ce que je vous ai montré là en ce moment, ben c'est des joueurs avec qui c'est pas agréable de jouer, simplement. Puis ça m'arrive souvent. Puis souvent, vous allez rencontrer ces types de joueurs-là qui n'ont pas gagné beaucoup de matchs, qui ont peut-être quoi, 2 millions de points, 4 millions. Le NES, il y avait combien à ce moment-là? J'étais aux alentours de 7 millions, je pense, à ce moment-là. Il était à quoi? 7.4, moins 7.2. Puis le joueur... Et le joueur, il fait quand même exprès se chuter en bas pour me laisser une chance. Grosse erreur. Combien de parties que j'ai gagnées, moi, alors que quelqu'un s'est tout détruit dès le début? Ou qui fait exprès de chuter? Dis-moi pas que ça n'a pas été fait exprès, ça a été fait exprès. Est-ce que vous pensez réellement que c'est facile de faire un comeback d'une vie contre trois? Non. Mais j'ai réussi deux fois avec
avec Simon contre le même joueur, mais sur deux modes de jeu différents. Item, final smash, après ça, sans item. Pas demander mieux, Seigneur, c'est quand même positif pareil. Crime. Tu sais, je me ramasse facilement dans mon match sans item, genre ennemi contre 3 rapidement. Et, j'ai fait à peine fait subir entre 40 et 60%, puis après ça, gros comeback. On tombe tout à une vie, au bout d'une minute, minute et quart. J'ai juste subi 31%. Hey, ça c'est-tu beau pareil? Mais dommage que je n'ai pas enregistré, mais j'ai enregistré celui-là avec item, je vais vous montrer. Dans la prochaine vidéo, ça c'est sûr. Oui, 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 je vais vous le présenter, c'est sûr, certain. On va changer pour ça. Dans la prochaine vidéo.